Bonjour tout le monde, nous allons jouer à Dig Dug aujourd'hui. C'est un vieux jeu de plateforme du NES. Alors il faut aller faire exploser ces bestioles-là. En les remplissant d'air, mon fond. C'est assez drôle. Ouais, je me marre. Ah! Oui, on a réussi. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, on va voir où est-ce qu'on peut se rendre avec une vie. Yeah! We got it! Je pense qu'il faut pas qu'il aille en haut. Oh my god, c'était pas facile celui-là. J'aurais pu me faire poigner. Ils m'ont eu. Oh non. Non! Ah, shit! Ah, shit, j'en ai tué un! Avec une rush! Je savais même pas qu'on pouvait faire ça! C'est génial, ça! Ah, ils sont deux! Fasse pas mieux. Ah! Oh non! Ils m'ont eu! Ah! Oh my god, je suis overwhelmed! Ah, c'est la fin! Oh non! Puis y'a pas de continu! Ok, on va essayer de battre. La ronde 6. Eh hey, ben ça devient quand même intense rendu là. Mais non, je pense pas qu'il peut aller en haut. Je pense que ça change quelque chose. Sinon il serait allé le faire live. That's it. Ah. Okay. Phew. Ah. Non. Thank you.
Ah. Ah! Ah! Il est plus rapide que moi! Non! Yeah! Ok! Donc là, si on peut passer ce level-là, on va avoir été plus loin. Et voilà, monsieur! Ça, c'était tout un squash. Ah non! Je l'ai tiré et ça passe à travers. Et voilà. Et voilà. Oh, ça devient compliqué là. Wow. Quel fail. Il va me sauter dessus. Hey, viens-t'en ici. Hey! Il s'enfuit. Ah non! Il était supposé aller par en bas! Dommage. Eh bien, on s'est rendu quand même à la ronde 9. C'est quand même meilleur que ce que j'ai jamais fait dans ma vie à ce jeu. Donc, merci d'avoir écouté ma partie de Dig Dug. J'espère que vous avez aimé ça. Et je vous le recommande quand même. Là, c'est quand même un petit jeu de plateforme assez amusant. Donc, à la prochaine. Bye!